Bonjour Instagram, comment allez-vous aujourd'hui? Je vous attends pour un petit direct pour le lancement de notre événement en attendant Noël. J'ai décidé cette année de vous faire un événement sur 7 jours. Bonjour à toutes et à tous, je vois que vous arrivez. Essentiellement sur Instagram. Pourquoi Instagram? Parce qu'effectivement, j'ai tendance à faire beaucoup beaucoup de lives sur Facebook et je trouvais, et vous trouviez, à juste titre, que du coup, j'étais moins disponible pour vous sur Instagram. Donc, voilà, cet événement est pour vous en tout cas. Donc, bonjour à toutes, à tous. Je vois beaucoup de bonsoir, de bonjour. Vous êtes déjà 111, dis donc, vous êtes rapide. On dirait que vous m'attendiez. Salut Elodie, ça va? Cet événement, en attendant Noël, est composé de deux parties. Ceci est la première partie. Donc, on a deux parties sur cet événement. On a le début du mois de décembre hein, qui commence aujourd'hui. Si vous avez un calendrier de l'Avent, c'est le moment d'ouvrir la première case. Ça, ma fille me l'a bien rappelé ce matin dès qu'elle s'est réveillée. Et du coup, j'avais envie, voilà, pour marquer ce début décembre, de vous proposer moi aussi un petit calendrier. Et il est proposé en partenariat avec Domotex. Du coup, les 7 premiers jours du mois, on va se retrouver tous les jours, enfin tous les soirs si vous voulez bien, bonjour, coucou, sur Instagram pour ouvrir ensemble une petite enveloppe. Je vais tout vous expliquer maintenant. Et ensuite, à partir du 7, enfin du 8 plus particulièrement, plus précisément, pardon, je vais vous proposer un challenge couture, customisation sur les réseaux en partenariat avec beaucoup de partenaires, dont Cricut. Donc ça va être un mois intense de mon côté, j'ai plein de choses à préparer pour vous, mais je suis vraiment très très contente de vous retrouver. Alors, Gwenaëlle, oui normalement il y a du son, est-ce que vous m'entendez ou est-ce que je parle toute seule depuis tout à l'heure? Dites-moi, normalement il y a du son. Et si quelqu'un peut expliquer à Gwenaëlle comment le mettre, ce serait parfait. Hop. Donc, dites-moi, avez-vous du son? Oui, non, peut-être. Comment je vais? Eh ben, Simone, ça va bien. Couture in progress, on entend parfait. Merci au fil des fleurs. Agnès aussi. Yes, alors c'est parti, il y a du son. Peut-être tu as une petite manip à faire, Gwenaëlle, si tu ne m'entends pas. Alors, le principe du début de ce mois en attendant Noël, j'avais envie de, voilà, d'avoir un petit mot magique auprès de vous. C'est vrai que c'était très très chouette ces challenges sur les réseaux. Et du coup, j'avais envie de continuer, donc voilà, on démarre ensemble le mois de décembre. Alors bienvenue à toutes et à tous. Merci Karine. Karine, elle dit super cette idée calendrier. Alors, cette idée m'a été soufflée dans l'oreille tout doucement par Domotex. Donc Domotex, vous allez voir, vous connaissez forcément leurs imprimés parce qu'ils sont un peu disponibles partout dans les merceries où vous avez l'habitude d'aller. En tout cas, moi, ça fait un petit moment que je les travaille. Et quand ils m'ont proposé proposer un petit calendrier sur 7 jours, j'ai dit oui, voilà, j'avais vraiment envie de démarrer ce mois avec eux. Donc le principe, bonjour Cassandre, c'est que je vais avoir ici, j'ai tout préparé, des petites enveloppes. Donc vous, c'est à l'envers, c'est marqué en attendant Noël et un chiffre, d'accord? Donc il y a une enveloppe par jour. Et on va se donner rendez-vous tous les soirs sur Instagram. Alors, l'heure, c'est autour de 6 heures. Ça va dépendre de, voilà, un peu comment j'avance ma journée. Donc, ça peut être 6 heures, enfin 18 heures, pardon, 18h30. Et on ouvrira ensemble une de ces petites enveloppes. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons choisir l'enveloppe numéro 1. Elle est là. Et le principe va être... Ah, ça s'est arrêté, nous dit Josette. Est-ce que vous me voyez? Tout va bien ou est-ce qu'il y a un petit souci technique? Dites-moi. Alors, je continue de vous expliquer en attendant vos commentaires. Dans cette enveloppe, on va trouver deux choses. On va trouver un motif de tissu que j'ai sélectionné parmi toute la collection de Domotex. D'accord? Parfait, Karine. Oh, il y a un petit papillon de nuit qui vient me voir à travers la vitre. Donc dedans, j'ai un petit coupon d'imprimé, tout petit, c'est un échantillon pour vous le montrer, mais mon partenaire va ensuite envoyer au gagnant un coupon d'un mètre par le lest, donc vous aurez de quoi faire quelque chose de joli. Comme j'avais envie de vous gâter, tous les jours, j'ai aussi ajouté dedans un patron à gagner. Donc ça va être un de mes modèles, d'accord? Vous allez voir, on va ouvrir ensemble l'enveloppe et vous verrez le patron mis en jeu, en tout cas aujourd'hui et tous les jours suivants. Donc,
Pas de panique, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont déjà tous mes patrons, vous êtes toujours au taquet, dès que ça sort, vous le voulez tout de suite. Donc rassurez-vous, si dans cette enveloppe, vous avez déjà le patron qui est mis en jeu, si vous êtes gagnante ou gagnant, bien entendu, vous me le direz et je vous offrirai un bon d'achat de la même valeur pour prendre un autre patron. Si vous avez toute la collection, il faudra attendre la prochaine sortie, mais en tout cas, il sera valable un an. Comment participer quand on va avoir ouvert le contenu de l'enveloppe, d'accord? Eh bien, simplement, à partir où l'enveloppe est ouverte, vous avez 24 heures pour participer. C'est-à-dire que vous avez 24 heures pour commenter cette vidéo avec le petit commentaire de votre choix. Vous pouvez commenter plusieurs fois. Le mieux, c'est d'être là en live et de commenter en même temps, me faire des petits coucous, tout ça. C'est parfait, mais j'ai activé cette option parce que, au cas où, s'il y a le replay. Donc, pour Instagram, la vidéo ira sur IGTV. Et donc, si vous commentez le post, bien sûr, le tirage au sort fera partie des participations. Donc, c'est la condition. Il faut avoir commenté. Pourquoi? Parce que je vais tirer au sort un gagnant parmi vos commentaires. Quelqu'un qui était là et qui a dit quelque chose ou qui participe du coup. Donc, vous n'avez pas besoin de marquer je participe, d'accord? Juste un petit bonsoir, quelque chose. Automatiquement, vous serez compté parmi les participations. Deux choses aussi, il faut être abonné à ma page, mais vous êtes forcément si vous voyez les notifications directes, donc ça c'est OK. Et il faut aussi vous abonner à la page de Domotex, donc je vous la remettrai en commentaire, enfin en commentaire dans le post quand je vais vous repartager l'IGTV. Normalement, c'est les tissus by Domotex, mais regardez dans mon précédent post de la journée, il est tagué, vous avez juste à cliquer. Voilà pour les conditions, j'espère que vous avez bien toutes et tous compris comment ça se passe. Bonjour Pascal. Alors Manu, je suis contente que ça te plaise. Donc on va ouvrir ensemble l'enveloppe. L'enveloppe du jour, vous voyez, elles sont toutes fermées, hein. C'est déjà tout décidé. Et on va voir ce qu'on a choisi. Alors, pour vous dire, j'ai choisi un thème. Donc tous les tissus vont être, tous les motifs dans la même finition. C'est-à-dire que moi, j'avais envie de vous faire gagner des tissus enduits. Parce qu'on a tendance à ne pas trouver de motifs originaux et sympas dans cette collection-là. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi j'ai du mal à trouver des choses qui me plaisent. Et quand j'ai vu leur collection, je l'ai trouvée juste canon. Donc tous les tissus à gagner cette semaine, pendant les 7 jours, seront enduits. Donc j'ai certains coupons qui sont en finition enduite, d'autres en coton, mais le motif sera le même que celui présenté et du coup enduit. Allez, j'arrête de raconter ma vie. Roulement de tambour, nous allons ouvrir l'enveloppe et je vais vous dévoiler ce qu'il y a à l'intérieur. Attention, donc on est sur l'enveloppe numéro 1 car nous sommes le 1er décembre. Hop là. Alors, déjà, je vous montre le patron mis en jeu parce que j'aime bien garder du suspense pour le tissu. Hop. Donc le patron mis en jeu, alors je ne sais pas si vous l'avez déjà ou pas, c'est la Lunchbox Lily. Alors c'est écrit à l'envers pour vous parce que je suis en miroir pour me voir et voir vos commentaires, d'accord? Donc la Lunchbox Lily, c'est une lunchbox qui vous permet d'emporter votre repas et de le conserver au frais. Voilà. Et donc pourquoi j'ai choisi ce modèle pour le premier? Parce qu'il se fait en enduit, donc du coup ça tombait bien pour le thème. Donc voilà. Donc si vous n'avez pas le patron de la Lunchbox, ou si vous l'avez, ce sera un bon d'achat du même montant. C'est le patron mis en jeu dans l'enveloppe numéro 1. Et maintenant, nous allons découvrir ensemble, hop là, le tissu enduit du jour. Alors j'ai adoré, c'est un de mes motifs sur lesquels j'ai vraiment craqué. Donc je vous montre. Ah, je l'ai plié sur l'envers, je ne suis pas très gentille. Hop, je vous le déplie et à l'endroit, c'est mieux. Voici le motif que j'ai choisi. Je trouvais vraiment très très sympa et je me suis dit que pour une lunchbox, ce serait vraiment frais et que ça pouvait être sympa. Alors dites-moi, est-ce qu'il vous plaît? Donc ça, c'est le motif du jour. C'est le tissu de Domotex qui est mis en jeu et qui sera en version enduite. Là, je l'ai en version coton, mais voilà. C'est le motif que j'ai choisi pour le jour 1, le 1er décembre. Je suis contente que ça vous plaise. Nathalie, elle me dit roulement de tambour, tout à fait. Ah, salut Manu, je ne t'avais pas vu. Donc voilà, je vous répète le tissu mis en jeu aujourd'hui. Vous avez 24 heures à partir de maintenant pour jouer. Donc soit commenter la vidéo en direct, soit ensuite commenter le post du replay. Toutes les participations compteront et je prendrai un logiciel aléatoire
pour tirer au sort le ou la gagnante. Donc, la personne tirée au sort remportera un coupon de ce très joli tissu enduit offert par Domotex de 1 mètre par le lèse et le patron de la lunchbox de Dinette ou bien un bon d'achat à avaloir sur les patrons si vous l'avez déjà. Voilà, donc pour l'ouverture de l'enveloppe du jour, le jour numéro 1, c'est terminé. Je vais tout remettre dedans pour me rappeler qui gagne quoi. Comme ça, je pourrais marquer le petit nom du gagnant dessus. Et je vous souhaite à toutes et à tous bonne chance. Hop, je vous laisse encore quelques instants pour commenter et je vous donne ensuite rendez-vous demain pour l'enveloppe numéro 2. Voilà, donc comment vont se passer les tirages au sort des gagnants et des gagnantes, parce que je sais que vous êtes toujours très très pressés de savoir si vous avez gagné. Donc en fait, je vais attendre 24 heures, je ferai le tirage au sort et je vous mettrai le résultat sur le blog directement. Il n'y aura pas besoin d'attendre 7 jours et la fin des concours. Demain, quand on ouvrira l'enveloppe, on connaîtra l'identité de la gagnante ou du gagnant. Même peut-être que je vous l'annoncerai en direct. On va voir comment on s'organise. Ah, tu n'as pas vu le tissu, Laura? Je te remets ça. Hop, à l'endroit, c'est mieux, voilà. Il est comme ceci. Et il est très, très beau. Moi, j'adore ces teintes-là. Là, vous voyez, au fond, là, un peu bleu, vert d'eau canard. Enfin, voilà, turquoise, c'est vraiment dans mes coloris préférés du moment. Donc voilà, pour l'enveloppe numéro 1, je remercie bien entendu Domotex pour sa confiance et de m'offrir tous ces jolis tissus pour vous gâter, parce que vraiment, ça me fait super, super, super plaisir de pouvoir vous offrir des cadeaux. Donc je vous dis à demain. Passez une bonne soirée. N'hésitez pas, si vous avez des amis qui ont envie de jouer, vous pouvez leur partager le post, d'accord? Leur partager le replay que je vais activer sur l'IGTV, si elles ont envie ou ils ont envie de jouer, c'est possible bien entendu. Et je vous rappelle qu'il faut vous abonner à ma page Happy Dodinette et à celle de Domotex, le tissu by Domotex. Voilà, et bien écoutez, bon 1er décembre, on rentre toutes et tous ensemble dans ce mois d'hiver. Je ne sais pas chez vous, mais moi, il fait froid et il n'a pas fait très très beau aujourd'hui, donc vous retrouver a été un plaisir. Allez, je vous souhaite une bonne soirée les cousettes et bonne chance à toutes et à tous et à demain pour la suite. Hop !